Aujourd'hui, on sort. Je suis en direction de Papineauville pour une pêche à la Marigane avec un de mes bons amis, Francis Sarrazin. Ça va passer le restant de l'après-midi là-bas. On va espérer être capable de faire quelques belles captures. Donc, sur ce, bonne écoute. Montre-nous ça, cette belle marigane-là. Hey, qu'est-ce que t'as pogné ça? Pareil du minnow de Northland. Avec une belle petite queue de minnow. Hey, parfait ça. Et notre belle marigane. Ça a bien l'air, tu vas me faire la barbe? Ça a bien l'air, hein? Hey, parfait à ça! Oh! C'est ça, hein? Non! C'est crankbait! Regarde mon bout, crankbait là! Ah, c'est bien, ça! Oh! Hey! Ah, c'est bon! Ça, c'est une belle! Ah, hey, j'en prends bien! Avec ça! Oh, crankbait, rappel là! Oh! C'est plus trop gros! Oh! De 3, c'est la grandeur de plusieurs de conclusion de mon vidéo dû à un problème de batterie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on a pêché. On a pêché avec un leurre de la compagnie Northland. C'est le Orange Minnow Spoon. Ça se vend chez Shell, Canadian Tire. La plupart des places qui vendent du stock de pêche ont ce leurre-là. Et moi aussi, je pêchais avec le Rapala Ultralight Ripping Wrap. C'est de la grandeur numéro 3 qui était écrit sur la boîte. Il y avait plusieurs grandeurs. J'ai pris la grandeur numéro 3 de couleur rose. La couleur, c'est Pink Tiger UV. Avec la Forage Jig qu'on a pêché aujourd'hui, on a mis une queue de menée aussi dessus. Moi, sur mon leurre de Rapala, c'était seulement le leurre. Il n'y avait aucun appât dessus. Puis c'est avec ça qu'on a fait notre pêche. C'est un nouveau secteur qu'on allait essayer. C'est un spot qu'on s'était fait dire par une connaissance. Puis on a décidé d'aller l'essayer. On a réussi à prendre 5 marigans dans notre après-midi, dont 2 belles, une de 13 pouces, une de 12 pouces. Donc pour moi, c'était ma première expérience à la marigane. Donc je sais qu'à la marigane, souvent on peut faire des plus grands nombres de poissons, mais pour moi, pour une première fois, c'était très satisfaisant. Il y avait de la marigane en masse sur nos sonars. Moi et mon ami, on a chacun nos flashers, puis il y avait du poisson en masse. C'est juste que, comme la marigane est capricieuse, ça ne veut pas toujours collaborer. Donc, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube et faire un beau thumbs up. Et si vous avez vraiment apprécié mes vidéos, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne. Merci!